Moi je pense hein, que c'est un concept prophétique. Voilà, moi j'aime le concept d'éducation, mais celui-là, au-delà de ce concept d'éducation, c'est un concept prophétique parce qu'il touche, tous les secteurs d'activité, que ce soit le football, que ce soit le show business, que ce soit les affaires. Et ouais, parce que les gens ne se concentrent pas sur leur vie. Les gens ont toujours tendance à vouloir regardez dans l'assiette des autres, et c'est là que vient le problème, c'est là que vient, et c'est là que qu'est la source même, on va dire les nerfs même de la guerre. Vous voyez un peu. Et donc c'est même venu comme ça. C'est le quotidien de tout le monde. C'est ce que tout le monde vit. Pas forcément moi dans les showbiz. Donc forcément ils vont desserrer. Ils ne veulent pas, ils vont desserrer. C'est pour ça que le concept est venu. Chaque jour, c'est une surprise pour moi cette chanson. Et parfois elle s'endort un peu. Elle a commencé boum sur les réseaux sociaux. Après c'est endormi. Et puis un matin encore boum. En fait, à chaque événement de triomphe, à chaque événement de victoire, à chaque événement de savoir, d'objectivité ou même d'objectif, d'acquisition, elle est célébrée. Et la chanson renaît, elle renaît. Et ça ne m'étonne pas que cette chanson a fait des années. Ça va, je sais que ça va durer dans le temps parce que c'est le quotidien. Non, même pas. En fait, le truc comme la chanson, elle vient d'un titre de mon album. Et comme je voulais sortir l'album de tous, et c'est mon arrangeur qui m'a conseillé avant de sortir l'album, j'ai sorti deux ou trois titres d'abord. Et j'ai pioché parmi, j'ai choisi un titre. Et puis ça volait avec la circonstance. Voilà. Et voilà, puis ça a eu un boom. Et c'est juste comme ça. Moi, c'est juste comme ça. Et quand ça a eu un boom, la même semaine, je partais en France. Et je m'y attendais même pas. Derrière moi, sur les réseaux, ça avait déjà commencé à faire un potage. Et quand je suis rentré, ça continue. À chaque victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, ça continue. À chaque célébration des mariages, quelque part, ça continue. Parce que rien ne s'acquiert facilement dans la vie. Rien ne s'acquiert facilement. Et donc, je pense que c'est une chanson prophétique de célébration, de victoire. Voilà, surtout quoi. Sur l'ennemi, sur les forces négatives, voilà, c'est un peu ça. C'était un grand honneur pour moi. Mais un honneur qui dit pas son nom, c'est la deuxième fois que se marie avec fatigué. Je sais pas si ça va être desserré. Et c'est la deuxième fois que se marie. Et c'est honorifique. Tu vois, c'est très honorable. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Et ce footballeur, c'est mon petit frère, mais c'est les icônes du monde footballistique, c'est des grands. Vous voyez, en Afrique, dans les tops qui sont comptés parmi les tops, on n'en arrive pas, je crois. Et me voir comme ça dans ces bras, c'est normal. Je suis le grand frère, en même temps, je suis l'artiste, c'est le pays. Mais en même temps, je pense que c'est un honneur, c'est Dieu. C'est Dieu qui permet, Dieu a permis encore que par eux, la chanson est encore une lumière de plus. Voilà. Là, on est là, on attend encore la victoire finale encore pour célébrer. Moi personnellement je profite juste du boom médiatique comme ma chanson, tu vois, et des spectacles qui accompagnent. Mais m'y associer même, moi j'ai pas reçu de coup de fil. Pourtant j'ai eu tellement envie d'aller au stade. Et je me suis même renseigné pour des badges, pour aller au stade, des badges des artistes, pour un peu, je ne sais pas. Donc il a raison. Mais en même temps, c'est un événement de chez nous, c'est nous qui recevons les gens. C'est un acte patriotique. Je vois, chacun doit poser son acte patriotique pour la Côte d'Ivoire, pour la réussite de l'événement qu'on regarde chez nous à la maison. Ouais. Ouais, le 4-0 contre la Guinée-Côte d'Ivoire, c'était vraiment un coup de marteau. Un vrai coup de marteau. C'était chaud.
J'en ai même pleuré, tu vois. J'en ai même pleuré. Tout le monde commence. Mais, comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Si le malade est souvent le juste, l'Éternel la délivre toujours. C'est un miracle que nous sommes là. Nous sommes des ressuscités. C'est au-delà d'un miracle qu'on soit en bas de la cour. C'est un honneur. Bon, je sais que j'ai connu la canne en 92 quand j'étais à l'école primaire, tu vois, mais je ne l'ai pas connu, mais je l'ai vu, tu vois, je l'ai un peu vu quand j'étais à l'école primaire, mais depuis 17 ans, j'ai connu des cannes, j'ai vu des cannes, mais cette canne-là, c'est la totale, pas parce que c'est vraiment médiatiquement, émotionnellement, l'organisation, l'image que la Côte d'Ivoire a véhiculée, l'image que nous les Africains donnent, les chansons qui ont accompagné, le soutien même du ciel, tu vois, du premier match jusqu'à maintenant, les stades sont à 70% pleins. C'est un honneur, c'est une réussite totale. L'organisation était parfaite, c'était le petit truc de billetterie, machin. Mais après, on a géré avec, tu vois. C'est la meilleure des cannes jamais organisée. Jamais organisée, cette canne. Mais les fans de Côte d'Ivoire, mes jeunes frères, les fans de Côte d'Ivoire, nous, bien sur le terrain, nous sommes hors du terrain, et nous jouons ensemble, nous souffrons ensemble, nous suivons ensemble. Sachez que vous n'êtes pas seuls, on est ensemble. Votre défaite est la nôtre, votre victoire est la réussite totale pour nous. Que Dieu vous protège. L'enjeu est tellement grand. Au-delà du sport, il est trop spirituel. Que Dieu vous protège, que sa main soit sur vous. Vous comprenez un peu? J'espère du fond du cœur, comme tout enfant qui espère, non comme tout homme qui espère que sa famille réussisse. J'espère que nous rencontrons cette étape. Voilà. Ils vont